À Pointe-à-Pitre, dans cette boutique, Anne-Marie propose depuis 10 ans un dépôt-vente spécialisé dans les fournitures pour enfants. Mais depuis quelque temps, à chaque arrivée de bateaux de croisière, cette rue commerçante devient piétonne. Interdite à la circulation et avec des accès barrés, le taux de fréquentation chute dans les commerces. Cette année, depuis le mois de novembre, on a mis des barrières pour nous faire un tronçon en zone piétonne. Les jours de fermeture, la rue est déserte. C'est une rue très vivante, connue de tous les Guadeloupéens. Deux policiers sont passés et ont dit « Allez, la rue sera en zone piétonne à chaque fois qu'il y aura des bateaux ». Depuis le mois de novembre, les commerçants concernés ont compté. La ruelle est devenue piétonne pendant près de 59 jours. Une mesure de sécurité pour les touristes en croisière, mais certains commerçants comme Anne-Marie se sentent délaissés. J'aimerais que les gens soient concertés et que la ville redevienne un peu ce qu'elle était, c'est-à-dire une ville attractive, une ville où les gens sont heureux et où les gens aiment bien venir. Voilà, c'est tout. Face à ce coup dur pour le commerce de proximité, Anne-Marie a adressé un courrier aux autorités compétentes. Son objectif, prouver que sans accès en véhicule, certains clients ont déjà rebroussé chemin.